C'est très prochainement déjà, c'est le jeudi prochain que ça commence, jeudi 24 août 2023. Déjà dès le matin, 9h-10h, nous allons procéder à la cérémonie d'ouverture de ces championnats. Ces championnats vont se dérouler sur 3-4 jours avec près de 16 tableaux. C'est-à-dire qu'il y aura les U11, les champions vont devoir défendre, les champions qui sont allés en Côte d'Ivoire là. Ils vont devoir défendre leur titre hein, devant d'autres qui sont aussi en train de se préparer. Pendant qu'eux, ils étaient là-bas, les gens ici ne dormaient pas. Donc, il faut qu'ils viennent démontrer qu'ils sont sortis du pays. Il y a donc les U11, ensuite les U13, les U15, les U18. Et au-delà, c'est les U21. Mais à partir de 18 ans, déjà, on est senior. Donc, les seniors vont également jouer. Et c'est là que ça sera très chaud. On n'a pas oublié les gens de ma génération, les vétérans. Donc, dès 50 ans et plus, ils vont également croiser les raquettes. Et pour tout finir, il y a les personnes vivant avec un handicap qui peuvent faire du sport. Ce n'est pas parce qu'on a un handicap qu'on va se cloîtrer et se cacher, non. On va les faire compétir pour qu'ils puissent faire voir aux autres qu'eux aussi font du sport et qu'ils ont des champions. D'autant plus qu'en octobre, une délégation d'une dizaine d'athlètes handicapés va se déployer vers le Nigeria, à Lagos, où ils vont devoir affronter les autres de la sous-région. C'est un open du Nigeria, Lagos, Jet Value. Voilà, enfin, donc les championnats se préparent bien. Nous attendons les délégations de toutes les contrées.